Esther et bienvenue sur En Santé Épanouie. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas pris le temps de filmer une présentation vidéo. J'ai été plutôt absente ces derniers temps sur la chaîne, j'espère que vous m'en excuserez, ce n'est pas toujours évident d'être une maman qui travaille. Je voulais en profiter pour remercier les nombreux nouveaux abonnés sur la chaîne. Merci infiniment de m'aider à faire connaître un peu plus mon travail. Nous sommes environ plus de 300 à ce jour sur la chaîne. Encore une fois, un énorme merci pour votre soutien. D'ailleurs, si vous débarquez sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire sous la description. Cela m'aide énormément et me motive à vous proposer un contenu de meilleure qualité. Bon, assez discuté. Aujourd'hui, je vais vous partager une recette de pâte à pizza rapide à base de farine de petite épeautre, ainsi qu'une idée d'utilisation de cette pâte à pizza pour la réalisation d'une pizza végétale. Allez, c'est parti, nous allons commencer. Pour cette recette, nous aurons besoin de 350 g de farine de petite épeautre, une cuillère à soupe de sucre de coco, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 g de sel, 15 g de levure sèche ou fraîche, vous pouvez bien sûr utiliser une levure contenant du gluten, 20 cl d'eau tiède, surtout pas chaude. Dans un saladier, je verse la farine. Ce type de farine étant plutôt difficile à travailler du fait de la faible quantité de gluten, mon astuce est de mélanger 50 g de farine de manioc fermentée à 300 g de farine de petite épeautre. Ainsi, j'obtiens une pâte souple, non collante et facile à travailler. Je mélange rapidement pour obtenir une farine homogène. Puis je rajoute le sucre de coco, le sel, la levure sèche. Si vous utilisez de la levure fraîche, je vous conseille de la faire fondre avant dans de l'eau légèrement tiède avant de la rajouter au mélange sec. Je rajoute l'huile d'olive, mais surtout pas l'eau que je rajouterai à une prochaine étape. Il ne reste plus qu'à pétrir le mélange. Allumez un robot équipé d'un pétrin au niveau 1 et laissez pétrir pendant 1 minute. Au bout d'une minute, vous pouvez rajouter progressivement l'eau en plusieurs fois sans arrêter le pétrissage. Si la farine colle sur les parois, utilisez une spatule pour aider à décoller la farine. Une fois toute l'eau rajoutée, laissez le mélange pétrir pendant 5 minutes au niveau 1. Puis augmentez la vitesse au niveau 2 et laissez pétrir à nouveau 5 minutes supplémentaires. On doit obtenir une boule qui se décolle des parois du bol. Cette recette est plus simple à réaliser avec un robot. Je ne l'ai jamais testé sans. L'avantage du robot pour la réalisation d'une pâte express est que le pétrissage est réalisé avec plus de rapidité et aisance. Au bout de 5 minutes, c'est prêt. On obtient une pâte non collante et facile à travailler. Pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, je vous partagerai un exemple d'utilisation de cette pâte dans une prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu dès sa publication. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de rajouter du vivant dans vos vies.